Recevoir chez vous. Le dictateur Ali Bongo n'est pas au Gabon depuis une semaine. Il a été transporté aux Émirats Arabes Unis dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier pour y suivre des soins médicaux. Dans l'avion qui le transportait, il y avait son épouse Sylvia Bongo, ses deux fils Noureddine Bongo et Bilal, et la femme de Noureddine Bongo, prénommée Léa, et leur enfant aussi. Ils sont partis discrètement de Libreville. Officiellement, c'était pour aller passer les fêtes de Noël au Maroc, mais le plan de vol, parvenu à mes soins,
révèle qu'Ali Bongo n'a pas atterri au Maroc, il a plutôt atterri aux Émirats arabes unis. Il va donc suivre des soins dans la péninsule arabique pour une durée non déterminée jusque-là. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à samedi dernier, il s'y trouvait encore en compagnie de sa femme et de ses enfants. Ali Bongo, qui a quitté Libreville à bord d'un avion affrété par les autorités saoudiennes, donc à la suite de l'intervention d'un ancien diplomate gabonais en Arabie saoudite, devant des crises, disons, ce qu'on peut qualifier même des malaises intermittents, Ali Bongo avait donc, Sylvia Bongo avait jugé utile de transporter le despote gabonais vers un autre pays qui est doté de structures sanitaires adéquates. Ce qu'on sait, c'est qu'au Maroc, elle n'a pas voulu amener son époux au Maroc parce que tout simplement, les relations entre Ali Bongo et le roi du Maroc se sont dégradées à la suite des frasques de la première dame du Gabon. Et aussi en Angleterre, cette option avait été envisagée. Mais il se trouve que la plainte déposée par une lycéenne contre le jeune Bilal, qu'il aurait violé aux États-Unis, a été transmise aux autorités judiciaires anglaises pour mettre la main sur le fils adopté par Ali Bongo et Sylvia Bongo, donc pour éviter que ce séjour ne soit pas de tout repos en Angleterre, à Londres précisément. Ali Bongo et toute sa délégation se sont donc rendus aux Émirats arabes unis. Ce qu'on sait, c'est qu'Ali Bongo ne se porte pas bien, contrairement à ce qui est avancé par les thuriféraires du régime qui essayent donc de donner l'impression que tout va bien dans le pays, que Ali Bongo se porte bien. Non, Ali Bongo ne se porte pas bien. Il a été ces derniers temps victime de ces malaises récurrents. Et on reviendra d'ailleurs au cours d'un balcon spécial pour parler de l'évolution de la santé d'Ali Bongo, que ce soit dans le sens positif ou négatif. On en parlera longuement, mais ce qu'on sait, c'est qu'Ali Bongo ne se porte pas bien. Il a donc atterri du côté des Émirats arabes unis. Souvenez-vous que c'est en Arabie saoudite, à Riyad précisément, qu'il était tombé malade, qu'il avait eu l'accident vasculaire cérébral le 24 octobre 2018. Et c'est aussi là-bas qu'il a reçu les premiers soins. Et compte tenu justement de l'évolution des choses, Sylvia Bongo a trouvé nécessaire de l'y ramener. Et donc, depuis une semaine, il est absent du pays. Que se passera-t-il par rapport au discours de fin d'année? Beaucoup se posent des questions. La réponse est simple. Devant les malaises récurrents, Sylvia Bongo, qui est devenue la régente du Gabon, avait pris le taureau par les cornes en faisant enregistrer ces discours-là depuis le mois dernier. Le discours de fin d'année avait été préparé, d'ailleurs, le mois dernier, pour parer à toute éventualité, pour donner un semblant de présence d'Ali Bongo à la tête du pays. Donc, ce discours est enregistré d'après une source proche de la garde républicaine et introduite aussi auprès des services de renseignement. Ali Bongo, dans son discours de fin d'année, va surfer sur la révision constitutionnelle, tout ce qui va avec, et il va donc essayer de rassurer l'opinion que tout ira bien. Et contrairement à ce que les gens essaient de laisser entendre dans les milieux du pouvoir, Ali Bongo ne se porte pas bien. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces sujets un peu plus tard. Mais ce qu'on sait, c'est que jusqu'à ce jour, beaucoup, beaucoup de ses parents n'ont pas eu une discussion franche avec Ali Bongo. Et ils sont nombreux d'ailleurs à se plaindre de ce que Ali Bongo n'engage pas de conversation avec les parents. D'ailleurs, à la mort de sa tante, la sœur de sa mère adoptive, Patience Dabani, il n'avait même pas eu à adresser la parole et il était même encore allé rendre visite à sa mère adoptive, Patience Dabani, lorsqu'elle était malade,
Malheureusement, là encore, aucune parole n'est sortie de la bouche d'Ali Bongo. On parle même de ce qu'il aurait des troubles de mémoire, ne se souvenant pas de certaines personnes. On reviendra dans le balcon pour parler justement de tout ce qui a été concocté comme anecdote pour prouver qu'Ali Bongo n'est plus à mesure de diriger le Gabon parce que naturellement, les lourdes charges à la tête de l'État demande qu'Ali Bongo exige d'Ali Bongo qu'il soit en forme. Or là, il n'est pas en forme. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est devant la dégradation continuelle de son état de santé que certaines mesures ont été prises au sommet de l'État, notamment la modification constitutionnelle, parce qu'on sait qu'à tout moment, il peut passer des vies à trépas. Donc, le régime en place, notamment Sylvia Bongo, la régente actuelle, avait jugé utile de prendre des dispositions qui peuvent aider son fils Noureddine Bongo à accéder à la tête de l'État. Et d'ailleurs, cette révision, d'après des sources bien introduites au palais présidentiel gabonais, tout simplement, ces dispositions qui ont été prises par rapport à l'article 13, c'est pour permettre à Noureddine Bongo d'avoir une certaine ascendance sur les autorités qui seront chargées donc de conduire la transition et de s'imposer par la suite, à la suite d'une élection présidentielle truquée à la tête du pays. On sait qu'il n'a aucune base politique. Donc, toutes ces dispositions, des modifications constitutionnelles qui a été faites de manière brutale, inattendue, parce que même les députés, même le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, avait découvert qu'il y avait un projet de modification constitutionnelle à la suite du communiqué final du Conseil des ministres. Tout ça a été décidé par un petit groupe composé essentiellement de Sylvia Bongo, de son fils Noureddine Bongo et de quelques turiféraires du régime qui tiennent absolument à conserver leurs acquis à l'intérieur de ce régime. Donc tout ça a été fait à la hussarde et le projet de modification constitutionnelle a donc été transmis au Parlement. La première chambre du Parlement a eu à voter en examinant à la hussarde ces projets. Et demain, ce sera à la deuxième chambre du Parlement, donc le Sénat, de donner le blanc-seing à ces projets de modification constitutionnelle. On sait que cette chambre du Parlement est totalement acquise à la cause du régime d'Ali Bongo. On a beau dire qu'il se porte bien, il va très mal et rien ne s'est amélioré contrairement à ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, donc, il se trouve toujours à Riyad, il se trouve du côté du Moyen-Orient, dans la péninsule arabique, où il dispose même d'une résidence. Ali Bongo suit des soins, amenant des médecins à domicile aussi, parce qu'il dispose de plusieurs villas huppées qu'il a achetées avec Meksa Kombessi à la veille de l'élection présidentielle de 2016, pour parer à toute éventualité. Il était clair qu'Ali Bongo allait se retirer pour échapper aux poursuites judiciaires. Donc, il avait décidé d'aller se cacher au Moyen-Orient. Et là, il dispose donc des villas là-bas où il suit des soins à domicile. Et d'ailleurs, il s'est débarrassé de tous les médecins gabonais. C'est Sylvia Bongo, à la demande de Sylvia Bongo. Tous les médecins gabonais qui étaient donc pour le suivi de son évolution médicale ont été dégagés. Il ne reste plus autour de lui que des médecins étrangers qui le suivent. Et d'ailleurs, l'avion qu'il a transporté jusqu'au Moyen-Orient avait été demandé par un diplomate gabonais qui était en service au Moyen-Orient. Et cet avion, c'était un avion médicalisé. On savait que pour faire une longue distance, il fallait absolument prendre toutes les mesures parce que, au regard de la récurrence de ces malaises, tout pouvait arriver, alors ça pose un véritable problème de vacance de pouvoir à la tête du pays. Ali Bongo ne sera donc pas là pour prononcer le discours. C'est un discours enregistré. Tout ce que vous verrez d'ici à la date du 31 n'est que spectacle. Tout a été enregistré. Vous allez voir même des audiences simulées qui pourraient être diffusées à la radio-télévision gabonaise à partir d'aujourd'hui pour essayer de donner l'impression qu'Ali Bongo est rentré et qu'il se porte bien et qu'il a prononcé un discours. Tout ça, c'est faux. Tout a été enregistré, des scénarios pour essayer de rassurer l'opinion gabonaise et même l'opinion nationale qu'Ali Bongo reste aux manettes de l'État, alors qu'en réalité, sa santé va de manière chancelante, comme quoi. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera.
Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Voici pour l'information en cette mi-journée. L'information continue sur Facebook et YouTube. Thank you.